Et bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avions montré un petit peu l'extérieur de notre nouveau CC, la LVX 8, le voyageur. Maintenant, c'est au tour de l'intérieur. Donc, je vous laisse un petit peu regarder cette vidéo. Bonjour, et eh bien voilà, allez, on va visiter notre LVX, le voyageur. Oui. Et bonjour. Et coucou, ben moi je prends les dimensions des sièges jaune pisseux, la couleur qu'on n'aime pas. On va regarder sur le net, voir si on trouve des housses ou les faire, enfin on va voir. Je vais prendre les dimensions et on verra, ouais, parce on verra que là, plus tard pour vous les montrer si on a trouvé. Oui, parce que là, franchement, non, c'est pas possible. Non, c'est pas notre. On n'aime pas. Après, chacun ses goûts, mais là, non. Donc, il y avait des housses, comme vous voyez là, qui étaient faites par l'ancien propriétaire, de protection, et en même temps, qui étaient plus jolies que, voilà, orange. Donc, voilà. Donc, le camping-car LVX. Donc, attends. Il y a mon bras. Donc, devant la cabine. Bah, typique Mercedes. Hein. Voilà. Donc là, c'est ça c'est lui qui a mis pour son téléphone portable. Après, on verra le changer peut-être. Ça, c'est la caméra de recul. Tu peux le mettre en route, comme ça, on va voir. Tout le monde connaît ça. Voilà. Ouais, on y voit super bien. Ouais, franchement, c'est... Bon, elle est grosse, mais... C'est énorme. Oh, c'est les anciennes, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Donc, on va voir. C'était du bon matériel, hein. Pour l'instant, on la laisse, on verra. Mais bon, après. On va l'enlever quand même, on va la changer. Oui, mais pour l'instant, voilà, à l'avenir, ouais. Pour l'avenir, parce que. Bon. Voilà, vous entendez le moteur, hein, il est content. Démarrage du véhicule. Voilà, bon, voyons. Allumé, qui reste allumé. Donc, petit souci à voir, parce que c'est pas normal ça. Bon, après, au niveau fumée, il n'y a pas de fumée blanche à l'arrière, ni fumée noire, ni rien, donc ça veut dire qu'il a démarré sur 5 cylindres. Je penserais plutôt au relais, enfin, au système de préchauffage. Enfin, voilà. Au revoir. Allez, tu peux l'éteindre, non? Tu fais comme tu veux. Oui, je voulais mettre le chauffage, parce qu'on a un petit chauffage en dessous, regarde là. Tu vois? Où? Sous le siège. Style AD. D'accord. Voilà. Donc voilà, on continue la visite. Hein. Donc là, derrière, côté passager, attends, tu peux te tourner. Voilà. Il y a un fourre-tout, on dit un vide-poche, mais oui, qui est assez grand. Un vide-poche. Et puis déjà, il y a des choses dedans déjà. Un vide-poche. Voilà. Donc il est. Voilà. Oui, ben la porte, tout le monde sait ce que c'est. Donc là, c'est juste pour. On fait tourner. Vas-y, tu peux faire voilà, tourner ouais. Les sièges, mais comme. Oui, bah, ça, là, ouais. Comme dans les beaucoup de camping-cars. Ah, tout le monde connaît. 80. Ouais, là, alors vous avez une porte côté conducteur. Attends, je tourne un petit peu, ça ne voit rien, mais bon, c'est pas grave. On la voit pas. Mais non, bah oui, t'as le siège devant, t'es devant. Alors, c'est compliqué. Voilà. Porte conducteur et le côté passager, par contre, il n'y a pas de porte. Voilà, ouais, ça c'est bien. Il n'y a qu'une porte, c'est pas mal. Là, après la porte centrale, hein, voilà. Mais la porte rentrée. Conducteur, je vais la condamner par une sécurité, je sais pas, parce que c'est trop facile à ouvrir là quand tu vois. Ouais, c'est en fait, c'est les serrures de Renault 21, me semble-t-il. Donc, je pense que je vais faire une trappe, un perçage ici. Et une coulisse, enfin un tube qui rentre dans la porte carrément, qui vient dans la porte, là. Voilà, donc ça sera pour je après. Pense, hein. Je pour sais pas, voilà, je suis pas, pas les encore. Travaux, pour l'instant, on n'a pas voilà. Encore vu, mais. Donc là, deux petites fenêtres, au-dessus des banquettes, une banquette de ce côté, et puis une de l'autre côté, bien sûr, hein, avec la table centrale, oui. Comme beaucoup, qui se déplie. Les voilà. Sièges sont en bon état, les sièges. Voilà, bon, ça tourne. Hein. Voilà, et puis dessous. Le petit bar.
Alors ça, c'est en une dessous, voilà. Hein. C'était pas mal, parce qu'il y a pour placer les bouteilles, et voilà, pour faire un petit bar, c'est pas mal. Bon, je continue. Allez, continue à travailler. Donc les sièges de la langue des banquettes sont pas mal, comme je dis, sont en bon état. Après, ben, vous avez des placards hein, au-dessus de l'évier. Donc j'en fais voir un, après le reste c'est les mêmes. Des placards. Donc un, voilà, comme ça. Ils sont assez grands quand même. Hein. On a commencé à installer, mais bon, c'est pas fini. Hein. Ça en frappe un peu plus tard. On commence doucement à installer. Après, vous avez la hotte aspirante. Vous avez pour anti-projection ben, contre le bois, donc une plaque en inox. Là, vous avez... Bon, faut pas trop regarder le bazar, hein, parce que... Oui, on aménage. On est en train d'aménager. Donc là, les deux feux. Voilà, gaz. Avec la... comment on appelle ça? La vitre qui se baisse. Là, ben, c'est le lavabo, hein. Oui, en plastique dur, je sais pas. Voilà, ouais, il est en plastique dur. Pas mal aussi, hein. Il est assez costaud. Très bon état. Ouais, très bon état. Le robinet. Ça, c'est un petit socle pour mettre, je sais pas, ou des épices, ou je sais pas, ça y était, hein, je sais pas ce qu'ils veulent y mettre. Alors, ce qui est pas mal, les fenêtres, il y a, hop, les lentilles moustiques, ça c'est génial. Et hop, les rideaux, comment on appelle ça, les rideaux occultants, voilà. Rideaux plissés, occultants. Et c'est à chaque fenêtre, hein. Celle-là, il y en a aussi. Toutes les fenêtres, en fait, devant, sur les côtés, il y en a de partout. Donc ça, c'est avec les moustiquaires. Ça, c'est vraiment super. Petit aussi, là, l'entrée, un petit placard qui est à l'entrée. Alors, des placards, il y en a pas mal, donc c'est intéressant. Là, c'est le lit. Comment on appelle ça déjà, le lit? Je ne sais plus le nom. Le lit cabine qui se baisse. Le lit cabine, voilà, qui se baisse avec la ceinture de sécurité que vous défaites. Bah, oh, je ne veux pas le... Attention, ouais, vas-y, fais-le, je vais pas te... Voilà. C'est vite descendu, hein, franchement. Ouais. Voilà, le lit. Bon, après... Ah ben oui, quand tu... Ça, j'aime pas. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Bah, ça, c'est pour... si on a des amis qui viennent, ou des enfants, les petits-enfants, etc. Voilà. Ils pourront dormir dans le lit cabine. Là, le lanterneau, un grand lanterneau dessus de, dans l'entrée en fait. Allez. Alors là, vous avez une grosse baffe pour écouter la musique. Et ouais. Franchement, le son est bien. Hein. Ouais, et pourtant, l'appareil, c'est pas le. Ouais, mais bon, on verra. Bon, pour les changer. Ouais. Les baffes, non, sont bien. Après, voilà, le poste. On a commandé un Rocketron digital. Voilà, ça sera pour après. Pas très cher, ça marche pas. Pour le GPS surtout. Oui. Ça on verra après. Et puis, pour l'instant il y a celui-là mais on va le changer. Par contre à préciser qu'il n'y a aucune clé USB dans ce véhicule. Donc il va falloir tout l'aménager en USB. Oui parce que c'est là, vrai bon que... là c'est du rapide, hein. Ouais. Avec une cigare traditionnelle. Mais moi je vais monter des USB partout quoi. Mmh. Dans les chambres, partout. Voilà, ça se fera. Pareil, hein, on va le faire petit à petit. Alors, dessous l'évier, j'ai oublié, il y a un tiroir. Voilà, bon, c'est un peu là pour l'instant, c'est pas rangé, donc ne regardez pas trop le fruit. Là, en bas. Voilà. J'ai pris la caméra parce que vous verrez mieux ce qu'a fait ma femme. Ce que fait ma femme, pardon. Là, un placard là, après un placard là aussi. Ouais, ça c'est casserole. Ça c'est casserole, mais c'est vrai que c'est quand même bien parce qu'il y en a pas mal. Et pareil, bon, en bas je l'ouvre pas parce que. C'est le bordel, ouais, ça tombe. En fait, il faudrait qu'on mette. Regarde. Ouais, tant pis. Hop, voilà, vous voyez, on a mis, mais. Ben, faudrait étudier ça pour bloquer. Je pense qu'il faut pas les mettre là, c'est bien. Oui, on verra. Ben, je pense à des casiers, moi, enfin, à des attaches, on verra. Pour l'instant, on est en train de ranger. Donc, voilà, donc, va continuer ta visite. Oui, allez, je vais te suivre un si peu. Je ne suis pas, c'est pas la peine. Ben, si, dis donc. Donc, le congélateur. Oui, congélateur. Le frigo qui est assez grand, qui est même grand. Ça c'est bien. Ça, et il y a une, bon là on le voit pas, mais il y a une lumière bleue. Un peu comme voilà, ouais, le fluo, c'est sympa. C'est un frigidaire boîte de nuit. Voilà. Là, il y a la télé. Avec le satellite. Voilà, donc on peut la. Voilà, je vous la sors pas. Non, non, c'est bon. Alors on la sort pour où on peut regarder de ce côté, ouais, du salon, ouais, ou du côté de la chambre. Voilà.
Voilà, alors après on va passer aux chambres. Bon, on a récupéré un tableau de, le tableau de mariage qu'on avait sur le mur de chez nous. Le voyage de Nantes. On a récupéré la toile, on l'a mis juste comme ça sur la porte pour s'amuser. Mais là, je sais pas comment tu l'as... Bah, t'allumes, je crois. Non, le bouton. Il y a un bouton. Je sais pas, je sais pas. En dessous, un bouton, Mimi. Ah. Voilà. Allez, c'est les années 70. Ah, voilà. Ça m'a plu, c'est un arc-en-ciel à l'envers, ouais, mais c'est pas grave. Bon. Mais voilà, c'est pour faire un peu de gaieté, et je trouvais ça chouette. Quoi, ouais. Moi, ça me plaît. Oui. Ça te plaît pas? Allez, coupe-moi ça. Voilà. Mais bon, je vais mettre les fils correctement. Oui, là, c'est pas fait. Ça, il n'a pas fait. De toute façon, de toute manière, je vais voir pour toutes ces conneries. Bon. Tous ces LED, ça met des LED. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, tu mets tes LED partout. Ça, on le sait, parce que toi, t'aimes. Il me faut de la lumière, moi, j'ai pas allumé. On l'a pas allumé là-bas. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bien les lits, nos deux lits, bien sûr. Oui, donc deux lits séparés, chacun le sien. Voilà. Parce que pour pas déranger ma femme, ben, moi, j'ai un appareil parce que je fais de la plongée sous-marine la nuit. Donc, je l'empêche de dormir. Donc là, pareil, les deux fenêtres de chaque côté avec moustiquaire et volet occultant. Mmh. C'est vraiment génial. Les placards, pareil, ils sont assez grands. On en a trois plus un là-bas, le placard. Donc ça pour rangement, ben c'est bien. Donc c'est, voilà. Après, à côté, c'est la penderie. Petite penderie. Voilà. C'est pas petit, ouais. C'est pas mal quand même, on peut mettre des... Ouais, c'est 7-8 vestes. C'est la maison, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a là, trois de chaque côté aussi, qui sont un peu moins grands, hein, qui a qu'un étage. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il y en a trois, c'est pas mal. Bon, moi je précise que tout est une modification, parce que vous voyez, ça a été refait en dessous. En fait, c'est un LVX 8. Le lit était transversal, comme ça. Donc, fallait passer comme ça, pour aller à la salle de bain ou enjamber l'autre, enfin peu importe. Et ça a été modifié par l'ancien propriétaire, enfin je pense un des propriétaires. C'est pas mal. Bon, il y a des petites choses à changer, mais c'est pas mal. Au niveau électrique, il y a eu une bonne modification, ça a été fait professionnellement, moi ça me plaît beaucoup. Les tiroirs, vas-y. Là, il y a des tiroirs dessous le lit qui sont très grands. Mm-hmm. Il y en a deux, donc ça c'est super. Deux tiroirs sur celui-là et deux petits tiroirs là. Bon, franchement, on peut mettre pas mal de choses. Hein. Alors sur celui-là, sous celui-là, il n'y a pas de tiroir, mais en fait, ça correspond à la soute qui est à l'extérieur et qui est immense. Donc pareil, on pourra mettre beaucoup de choses, mais par l'extérieur. Oui, voilà. Je vais mettre greffer deux petites portes de manière à céder. Mais il faudrait que je sécurise le coffrage derrière, enfin l'accès, parce que vous pétez les serrures et puis vous rentrez, vous soulevez le lit, vous rentrez. Hein. Donc à méditer pour certains, parce que c'est vrai que c'est facile pour rentrer. Bon après, une lime à ongles et les portes, vous ouvrez, hein, c'est fou. Donc la petite séparation, hop, voilà, il me casse les pieds, t'as V, voilà, je te vois plus, tu m'embêtes plus. Allez, hop. Adieu. Retourne chez ta mère. Petit rideau, ça c'est chouette. Mais moi j'aime bien. Comme ça me fait rester dans notre petite chambre si on veut. Voilà. Mm-hmm. On passe à la salle de bain. Oui. Donc voilà la salle de bain. Bon, on te les déshabille pas tout de suite, hein, par contre. Non, je vais faire soft. Donc voilà, alors il y a la porte avec une glace. Ben, des glaces, il y en a partout. Là, voilà. Il y en a une là aussi. Bon, sur la porte, oui. Et une là, oui, c'est le placard. Et voilà. Mm-hmm. Bon, alors on est en train de ranger aussi, on n'a pas fini. Mais c'est un grand placard, donc c'est pas mal au-dessus des toilettes. Donc les toilettes, là, bien sûr, une toilette à cassette, toilette, hein, comme beaucoup. Voilà, une bonne. Là, sur les côtés, on va créer. Des étagères, non ? Des étagères, parce qu'il y a de la place, donc c'est de la place perdue. Voilà. Donc on va mettre des étagères, on va réfléchir à ça. Là, un petit placard. Oui. Hop, on a fait un peu des rangements pour l'instant. Oui. Après la lampe là, c'est pas mal aussi. Elle est claire. Non, t'as pas allumé à l'entrée, donc bon, enfin bref, une lampe là. Là, ben, petit placard plutôt pour l'électricité, mais on peut mettre deux ou trois bricoles. Ouais. Voilà, pareil, hein, moustiquaire et voléro, occultant. Il y en a vraiment de partout. Et là, la douche qui est quand même assez grande. Bon, il n'y a pas la lumière, mais bon, vous la voyez quand même. C'est pas grave. Avec le lanterneau. Avec la porte coulissante. Coulissante. Hein.
le lanterneau dans la douche, lanterneau là, donc vraiment c'est voilà, lanterneau en l'air, lanterneau là, c'est bien aéré. Le seul truc qui manque, c'est que il n'y a pas de chauffage. Donc vous voyez ce système là, à l'intérieur il y a des tuyaux que je vais récupérer. Je vais en distribuer un le long là, enfin à l'intérieur, hein, que je vais refaire ressortir ici, dans le coin. Ce qui fera qu'on aura une ventilation de chauffage. Chaud, ouais, parce qu'il fait pas très bon. Voilà. C'est un peu l'hiver. C'est pour ma dulcinée. Et ceux qui étaient en haut, c'est trop gentil, maman. Ce qui était par terre, c'est l'étendage qui est en haut. Donc ça, c'est bien. C'est ouais, pour, on voilà, de... Non, mais pour moi, c'est pratique, quoi. Après, toi, peut-être, mais je trouve que c'était pas mal. Voilà la salle de bain qui est assez grande, hein, franchement. Enfin, pour nous, on la trouve pas mal. Et puis, ben voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, après, il y a des petits, bah, il y a beaucoup de détails à faire. Bon, bah, de toute façon, hein, on le trouve chouette. On en prend possession. Donc, bon, après, très agréable à conduire. Franchement, ça se conduit, enfin, moi, j'irais plus facilement qu'une bagnole, hein. Mais voilà. Oui, bon, petit compte rendu, après avoir été chercher le camping-car dans les Landes. Il y aura des choses à reprendre au niveau étanchéité, les joints autour des fenêtres, les silicones, enfin tout ça. Donc j'ai commandé du 522 et 521 en silicone Sika. Donc je vais reprendre ça plus tard. Il y avait une fuite que j'ai découverte au haillon arrière, salle de bain. Je l'ai fait parce qu'en fait l'armature aluminium autour du coffrage que vous enlevez, en bas c'est fondu, parce que c'est un cercle cintré, et par contre c'était pas hermétique en bas, donc le ruissellement de l'eau faisait que ça coulait par capillarité, et puis ça coulait en bas, donc je m'en suis aperçu tout de suite. On a mis une peau de chamois pour étancher, parce que j'adore les peaux de chamois, même pour sortir de la salle de bain, vous marchez dessus, vous êtes épongé tout de suite, mais les pieds sont secs, hein. Ouais, très bien, voilà. C'est bien la peau de chamois. Ben voilà, écoute, après quoi dire de plus, qu'on va un petit peu la ranger au fil des jours, hein, là, pour l'instant, ouais. On vient de l'avoir. Donc, puis après, c'est vrai qu'au niveau maniement, j'avais l'appréhension de vue de sa largeur, pardon. Ah oui, on n'a pas précisé, parce que l'autre fois, j'avais pas réussi à dire la largeur sur la vidéo précédente. De 32. Voilà, comme ça, c'est fait. 2m32, de 80 de hauteur, 7m14. Ouais, 14. De longueur. De longueur. Il va y avoir le porte-scooter que je vais fabriquer bientôt. On va rajouter, ça ce sera une autre vidéo, les amortisseurs gonflables de manière à le lever, comme l'oxygène, enfin notre ancien camping-car, de manière à pouvoir sortir de chez nous déjà, parce que nous, on a une c'est l'enfer. Une pente, ouais. Ouais, c'est l'enfer. Et bon, celui-là, vu le porte-à-faux, ça touche en dessous. Bon, heureusement qu'il y a le porte-moto, enfin l'attache remorque. On mettra donc notre scooter pour pouvoir aller se déplacer, machin. Il reste. Ça sera un pas de suite, hein, parce qu'on a ouais. Pas mal de choses à faire. Ouais. Ben voilà. Et puis après, on sera prêt pour prendre la route, pour voyager. L'année prochaine, enfin, en début d'année prochaine, on voyagera c'est en Europe. C'est notre projet. C'est notre projet. Tant qu'on sera valide, on voyagera. Mm-hmm. Si le Pépère, le Marcos, enfin le Mercedes. Enfin, le voyageur, pardon, le LVI, le LV, tiens, on va l'appeler le LV, ou ERV, enfin, on verra plus tard. Non, au niveau moteur, étant ancien mécanicien, donc il n'y a pas de problème, je vais en prendre soin, je vais faire toutes les vidanges une fois par an, je ne vais pas rigoler là-dessus. La prochaine fois, dès que je vais faire le dessous pour les amortisseurs, je vais en profiter pour vidanger le pont. Et regardez les coupleurs du pont, les espèces de caoutchouc, je ne me rappelle plus comment on appelle le nom là, où il y a 6 vis, me semble-t-il. Je vais les vérifier tout de suite, et puis s'il faut le faire, je le ferai. Sur le contrôle technique, il y avait de marquer les rotules et attaches sur carrosserie, cylindre bloc à vérifier. Je vais vérifier, je vais les changer s'il faut les changer. Tout en sachant que les contrôles techniques, il y en a de complaisance. Hein, je suis dans la partie, donc je sais très bien comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses de cachées.
Après, coup de gueule aussi, bah pour certains qui vendent des camping-cars, arrêtez de croire que vous vendez de l'or, quoi. C'est vous, il y en a qui vendent des merdes. Tu vends de la merde des fois, voilà. Celui qui achète notre camping-car et il nous explique un truc. Il voulait parce qu'il était à Hummer, il aimait beaucoup le Hummer. Il a été le visiter. Le mec lui faisait 10 000 balles. Bon, pour 10 000 balles, c'est vrai que peu importe. Mais bon, il était pourri, quoi. Donc, mais c'est le cours du marché, le mec lui dit, non mais attends, le cours du marché, tu vois une roue, t'encules le mec, et non mais attends, faut arrêter quoi. Bon, en fait, ça c'est un autre débat. Oui, c'est le coup de gueule, c'est tout. de toute façon... Voilà, des escrocs, il y en a partout, aussi bien dans les professionnels que dans les gens normaux. Mais bon... T'avais peur, on n'a pas fait voir... De quoi? Pour la chaleur et tout ça. C'est pas très grave. Donc voilà. Non, c'était pour... Voilà. Voilà. Bon, mais écoutez, on va vous laisser. Ouais, bah après, on se rejoindra sur la route. On verra. Commence à avoir une bonne communauté. D'ailleurs, on tient à remercier les abonnés. Tous nos abonnés, les anciens et les nouveaux. Ça fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Les commentaires aussi, vous pouvez continuer à mettre des commentaires, c'est pareil. Oui, toujours plaisir. On est ouvert à tout, nous. Voilà, on aime bien aussi voir un petit peu communiquer avec vous. Sauf si tu m'insultes. Non, en général, il n'y en a pas. Les gens, ils sont très gentils, il n'y a pas de problème. Mais après, si tu as des gens toujours. Mais on n'est pas tous d'accord. On a des aigris, machin, enfin, peu importe. En tout cas, merci encore à vous tous. Famille, amis et abonnés qui deviennent des amis aussi, parfois. Oui, oui, sur la route, on a c'est vrai qu'en 7 ans de temps, on a c'est pas une amitié durable, c'est des amitiés qu'on rencontre éphémères, c'est sympathique. Mais on passe des bons moments. Voilà. Et c'est ça l'essentiel. Et après, il y a des suivis sur Facebook, machin et tout. Mais la distance, l'éloignement, l'activité de chacun fait qu'à un moment donné, il y a une coupure, quoi. Mais ça nous est arrivé de retrouver des gens sur un spot en Espagne qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans et c'est eux qui nous ont reconnus tout de suite. Ben, en fait, on était à côté d'eux, ils étaient de nouveau à côté d'eux. Moi, je les avais pas reconnus. C'est ma femme qui a tiqué. Et puis eux aussi, ils ont tiqué. Mais on s'est déjà vu. Et effectivement, on avait mangé ensemble. Comme quoi que... Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Ma femme me dit arrête de parler. C'est bon, parce qu'alors, il parle. On dit que les femmes parlent, mais bref. Et voilà, à la prochaine vidéo, bien sûr. Je suis pipelette. Et on vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao. À bientôt. Bye bye. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de mettre un petit pouce et des commentaires, ça fait plaisir.